T'es folle. T'es folle de me faire ça, toi. T'es folle. C'est pas contre toi. Mais je te parle pas de ça. Je te parle de l'heure. On avait dit 6 heures. Bon, laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que j'ai? Depuis quand tu portes des robes comme ça? C'est une robe à moi. Qu'est-ce que tu prends? De l'eau fraîche, ça ira, ou rien. Alors? Alors quoi, tu veux savoir qui c'est? J'ai pas envie de deviner. Tu m'as dit, je l'ai déjà vu, c'est Sauveur. Hein? Jérôme Sauveur. Qui ça? Ben non, il s'appelle Alain, c'est le garçon que j'ai abordé dans le parc quand on s'est disputé. Tu te fous de ma gueule, hein? Non, pourquoi? Mais ce type d'une vulgarité répugnante? Réalisateur de télé? Ce type qui t'a insulté? Qui t'a traité de connasse? Connasse? Il n'y a pas d'injure plus dégradante. Autant pour celui qui l'a dit que pour celle qui la reçoit. Comme tu parles bien, mon chéri. M'appelle pas mon chéri! Et puis tu vaux pas trop de ma gueule! Comment tu l'as retrouvé? Mais quand je suis sortie du jardin, il était là, il me cherchait, il voulait s'excuser. Il en revenait pas de m'avoir parlé comme ça. Moi, je voulais rentrer, je voulais aller chez ma mère. En fait, il avait l'air tellement triste, j'étais avec lui dans un café. Et voilà. Bah, on peut en rester là, si tu veux. Quand même, je veux dire, c'est quand même un réalisateur de télé. Comment tu peux? T'as que des clichés dans la tête, hein. C'est un très bon documentariste. Il est allé dans plein de pays. L'année dernière, il est resté plusieurs mois au Bangladesh. Il a ramené un film magnifique. Tu l'as vu, ce film? Moi, quand je dis que quelque chose est magnifique ou naze, tu vois, c'est que je l'ai vu. Il me l'a montré. Déjà? Il a fait des photos aussi, des photos très belles. Il veut faire une expo. Mais pas pour lui, hein, pour faire exister ce pays, tu vois, pour le faire surgir. Le faire surgir? Hein? Je vais hurler. Je te jure, je vais me mettre à hurler. Tu es amoureuse de lui? Tu l'aimes? Non, je crois pas. Je crois que c'est toi que j'aime. Vous allez vous revoir? Ouais. Il fait bien l'amour? Je sais pas s'il fait bien l'amour, mais j'adore le faire avec lui. Pourquoi? Tu veux savoir? Oui. D'abord, il m'encule et toi, tu m'enculais jamais. Moi, je savais pas que tu aimais être enculée. Moi non plus. Il y a juste un truc, ça m'a un peu terrifiée, c'est qu'en jouissant, il tire la langue. Il tire la langue? Oui, mais en fait, je trouve ça mignon maintenant, tu vois. Maintenant, je trouve ça mignon, en fait. Tu vois, il m'a d'abord baisé longtemps, bien, plutôt consciencieusement. Et c'est quand j'ai joui, il s'est retiré, il m'a mis la queue entre les fesses. Ok, ok, ça va, ça va. Ah bah attends, j'avais très peur, hein. J'avais le cœur qui battait très très fort, je me suis rétractée. Du coup, il a commencé à enlever sa queue de mon cul, et ça m'a rendue complètement folle. Je me suis mise à hurler. Du coup, il me l'a mise à fond. C'était énorme. Tu peux pas savoir comme c'était bon. Enfin non, évidemment, tu peux pas savoir. J'étais dilatée, quoi, épanouie. J'avais juste un peu peur de pas m'être lavé assez bien le cul. D'ailleurs, j'avais raison, parce que sur le drap, ça faisait comme du café au lait. La honte totale. Attends, parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que, en gros, vous avez fait ça sans mettre de préservatif. Il avait le test, il est négatif. Mais comment tu sais? Comment tu sais qu'il est négatif? Parce que, il sort d'une rupture, il a énormément souffert. Il n'a pas fait l'amour depuis 2 mois. Comment tu sais qu'il n'a pas fait l'amour depuis 2 mois? T'as la preuve? Je te dis qu'il a atrocement souffert, abominablement. Il a même cru qu'il resterait impuissant. Oui, un type sensible, délicat, qui t'encule. Et qu'est-ce que c'est de moi? Écoute, j'ai pas envie de parler de ça. Voilà, c'est fait et refait. Et ça va continuer? Oui. Moi, je comprends pas, là. Je comprends pas. Tu dis que tu m'aimes. Écoute, je t'aime, ça n'a rien à voir. Bon, mère, tu es super en retard. Tu plaisantes, là. Tu viens à peine d'arriver. T'as pas rendez-vous avec lui, quand même? Sois pas prévisible comme ça, banal. Ah bah, je suis prévisible. Écoute, c'est pas de ta faute, il faut vraiment que j'y aille. Il y a une projection de son dernier film, il l'a tourné en Islande. Magnifique. On se revoit quand? Je sais pas. Tu sais pas? Bien, bah rends-moi mes clés. Encore une chose. Il s'appelle comment?
t'ai dit, Alain. Alain comment? Alain de Xantras. Allez, salut.